Je me présente à l'état civil, c'est Romao Kofi Dakato, alias Deka Style, styliste modéliste togolais. J'ai commencé en 2010 par des petites soirées de mode ici à Lomé, jusqu'en 2013 où j'ai fait le thé des médias, un événement qui fait défiler les journalistes sur un thé. Donc c'est après là j'ai eu la chance d'être invité au Burkina Faso pour un festival nommé Ouaga Fashion Week. Et c'était un concours, j'étais sorti 4e lauréat. L'année suivante, on m'a encore invité pour une deuxième édition, dont je suis sorti 3e lauréat. Donc après, je suis encore invité au Burkina pour Simba, Salon international de la mode et de la beauté africaine. Après ça, je suis invité à Niamey pour Niamey Fashion Week en 2016, ouais, pour Niamey Fashion Week, Africa Mode. En 2016, je suis invité au Massa, en Côte d'Ivoire, où j'ai représenté le Togo côté mode. En 2016 encore, j'étais primé à Cotonou. J'ai été nominé ambassadeur de la paix à travers les élections qui ont fait élire Patrice Talon. Après, j'ai fait FESMA Bénin, j'ai fait beaucoup d'événements que je ne peux pas finir de citer ici. J'ai été primé à Aounio Arot, un événement qui prime les acteurs de la mode togolais. C'est le mois passé que j'ai reçu une lettre de l'ONG Espoir Plus, et le prix m'invitant à venir recevoir un prix à Cotonou. L'ONG mène une action qui suit les acteurs culturels et de la mode, qui, bon, bref, tout. Et rien n'est fait au hasard. Chaque fois, quand tu vas au festival, ils ont leurs représentants qui te suivent. Toi, tu te dis, bon, peut-être tu le fais, mais il y a des gens qui te suivent, tu ne le sais pas. Donc, c'est comme ça que je suis invité. Le dimanche 11 passé, à Cotonou, pour un trophée plus un diplôme. Donc, depuis, ils me suivaient. En fait, c'est quoi? Ils encouragent les jeunes qui s'efforcent, qui font beaucoup de travail dans leur domaine. Pas forcément les jeunes, ils priment même les docteurs, les grands diplômés, voilà, pour tous, pour leurs actions, quoi, voilà. Donc, c'est pour l'année 2017. Le prix que j'ai reçu, c'est un prix de l'année 2017. C'est-à-dire, c'est de l'année 2017 que j'ai été détecté. Dans celle-là, ils m'ont remis ça en 2018, voilà. On était au nombre de 22, dont il y a 4 Togolais. Moi, Deka Style, Gaëtan Couture, Couture César et puis Chris Demers. Bon, je suis un styliste modéliste, genre je dessine, je crée, je confectionne les tenues, les robes de soirée, les tenues de ville, un peu de tout. Je travaille avec le batik, le pagne tissé, le pagne imprimé, genre je suis un peu dans tout. Je fais des logos en broderie pour les sociétés, genre comme les... C'est-à-dire votre marque de chaîne, je le fais en broderie, exactement. Même les i sont respectés, voilà, sur les tenues, voilà. Donc, je travaille avec des personnels, des sociétés, pour leurs uniformes et autres, là, voilà. Au Togo, j'ai fait le mois de la mode. Les deux petits qui ont reçu le trophée de Kulkati en 2012, c'est moi qui les ai habillés au long du concours. J'ai habillé les Black Tee, JB Morab, les journalistes et animateurs comme Dieudonné Kevin. Bon nombre de noms que je ne peux pas citer. J'ai déjà travaillé avec des sociétés pour le logo dont je vous avais parlé. Voilà. Je forme aussi des apprenants. Actuellement, j'ai 14 apprenants. Vous savez, dans cette vie, il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être un créateur de mode, un styliste qui est un peu reconnu. C'est parce que j'ai cru en moi. Et ce qui manque aujourd'hui à la jeunesse, c'est de croire en eux. Ils n'ont pas la foi. Ils pensent qu'ils peuvent commencer, puis dans 2 jours, avoir les résultats, mais il faut beaucoup de travail. J'ai bien dit, j'ai commencé en 2010 où j'allais négocier des petites soirées pour présenter ma collection. Des fois, on ne t'offre même pas parce qu'on ne te connaît nulle part. Mais j'insistais et voilà. Et c'est le fruit de beaucoup de boulot, quoi, voilà. Il est temps que la jeunesse croit d'abord en elle. Puis il faut avoir la foi, il faut croire en ce que tu fais, il faut donner la valeur à ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens qui se disent que ce sont ceux qui ne vont pas à l'école, qui font la mode. Or, c'est faux. Puisque dans la mode, il faut beaucoup de calcul.
Il faut beaucoup de choses. Moi, actuellement, je forme des licenciés, des bacheliers ici, qui ont compris qu'il faut l'entrepreneuriat pour devenir quelque chose. Puisque les taux sont bouclés, nous sommes très nombreux, l'État ne peut pas prendre en charge nous tous. Donc, il faut se donner à l'entrepreneuriat, et ce que je fais d'ailleurs. Un message que je dois lancer au ministère, ne serait-ce le ministère de la Culture ou du Développement à la base. Vous savez, il est bien vrai qu'on croit en ce qu'on fait, mais il faut aussi un petit coup de pouce. Voilà. Pourquoi je dis ainsi? Aujourd'hui, moi, j'ai la chance de représenter le Togo sur beaucoup de podiums. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent aussi le faire. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que eux. Peut-être que moi, j'ai cette chance qu'ils n'en ont pas. Donc, souvent, on organise des soirées pour les artistes chanteurs, des podiums. Or, nous, les créateurs du monde, nous n'avons pas cette chance-là. Or, grâce à nous, les artistes chanteurs montent sur scène. Pourquoi je dis ça? Un artiste chanteur ne peut pas monter sur scène nu. Il faut toujours le créateur derrière. Même vous, qui me faites l'interview, vous ne pouvez pas venir me faire l'interview nu. Ça serait quoi? Donc, sans l'amour, le monde serait nu. Donc, il faut qu'ils organisent aussi ces scènes pour aider les jeunes qui n'ont pas cette chance d'aller représenter le Togo, d'arriver à le faire, quoi. Donc, nous avons besoin de ça. Puis même sans la mode, le chef était habillé. C'est grâce aux couturiers. Même le petit slip, c'est grâce aux couturiers. Donc, il faut qu'on nous soutienne beaucoup sur ces points-là. Tous ceux qui aimeraient venir directement connaître chez Decastyle, je suis à Agoué. Quand vous prenez la route internationale numéro 1, vous arrivez à l'Idepress, vous prenez la voie qui mène vers Zangira. Je suis pas loin de l'école Le Brillant. Ils peuvent me contacter sur le 92 62 61 56. J'encourage tous les jeunes qui aimeraient bien faire leur communication et autres de contacter le Direct 7 pour toute interview et autres. Merci.